des forces armées de Guinée. Voici vos sensei, on a merci, on a parlé, baisé. De venir présenter l'expression de ses condoléances les plus approfondies. Donc, c'est la dame Toybe, on nous côté Cabo. Il est rentré en contact dès l'annonce du décès avec la première, avec l'épouse. Et le ministre d'État à la présidence en charge de la défense nationale sous l'instruction de monsieur le président de la République. A mis à la disposition du gouvernement l'ensemble de la hiérarchie militaire des forces armées de Guinée. Merci, c'était au soit-il bon là-bas. Soit-il bon d'armes gouvernes et au Saint-Saint à Géoléon nous est. Vous venez présenter à la famille du défunt. Donc, c'est la soit-il bon d'armes à Saint-Saint au Yébézé, au nous, au nous côté Cabo. À la coordination de la forêt. Lou, mais à Saint-Saint ou Damien. L'expression de ses condoléances. Oh, lui, mais à Saint-Saint côté Cabo. Ses condoléances pour tout Guinéen d'un certain âge quand il s'adresse à la famille du défunt de la part du président de la République est l'expression partagée de l'ensemble des composantes de notre société et de notre nation. Très d'amis, et nous avons été avocats là que c'est il était l'un des derniers de ses frères qui ont mené ensemble ce combat pour le processus démocratique. Démocratie la Guinée, amis, était aussi d'appelé pour d'argent marido était autant de cas. Il est mieux placé que quiconque d'exprimer et de dire à sa juste valeur le vide créé par le départ de son grand-père. C'est d'amis, comme que Blabeka, il est bien moi, il dort, que les voulait être Blabo que l'avait, vous pouvez tout aller. Il a chargé monsieur le ministre d'État à la présidence d'informer la famille que le gouvernement ainsi que le ministre d'État et l'élite militaire sont entièrement à la disposition et à l'écoute de la famille sous forme d'organisation future des obsèques.